Victoria fait un entretien de travail avec Lourdes. Lourdes se souvient. Quand Jandir a vendu Domenico à la ville, qu'il a fait à Rio de Janeiro. Avec Erika, Megno et Ryan. Lourdes raconte comment elle a trouvé Camille. Megno accompagne Brenda lors de sa transfusion sanguine, aux côtés de Leila, qui est dans le coma. Bettine et Megno dissimulent leur attrait. L'un pour l'autre. Lydia embauche Erika. Victoria se souvient quand elle a perdu son bébé. La Victoire et Paul ne se comprennent pas. Lourdes aide Thelma, qui découvre qu'il a un anévrisme cérébral. Thelma révèle à Lourdes qu'elle est veuve et se soucie de son fils si elle ne survient pas à la chirurgie. Les Cinésiens menacent Thelma et Danilo défend sa mère. Camille forme et honore Lourdes. Pour sauver une femme, Magnus est impliqué dans un accident avec Jnilson. Lourdes soutient Megno. Raoul et Estelle restent ensemble pendant le vol. Raoul annonce à Lydia qu'il présentera à sa nouvelle petite amie. Elle demande à Erika de l'accompagner dans le voyage avec son mari. Thelma explique à Danilo pourquoi il ne vendra pas le restaurant familial. Victoria commente avec Miranda et Natalia qu'elle croit que Paul a un amant. La Victoire regrette l'absence de fils. Lourdes sonde le site de l'accident et rassure Megno. Camille rencontre ses nouveaux étudiants et finit par une fusillade. Alvaro paie avec de l'argent illicite et l'avocat est gêné. Des Champs-Cinésiens à Thelma. Paul décide de se séparer de Victoria. Lourdes a une surprise et croit qu'il sera en mesure de trouver Domenico. Megno et les frères soutiennent Lourdes dans leur recherche de Domenico. Wesley commente que Clovis peut aider à trouver Domenico. Megno connaît Donna Nisfut. Lydia taquine Verena et se dispute avec Raoul. Lourdes embauche Clovis et Ryan est suspect. Raoul et Erika s'insinuent l'un à l'autre. Magnus se sent coupable de l'état de Nisfut. Thailand est malade pendant une bagarre avec Cinésium, qui n'aide pas sa sœur. Lourdes sauve à nouveau Thelma. Elle retourne à Rio de Janeiro, laissant Erika avec Raoul. Lourdes grotte Megno pour s'approcher de Donna Nisfut. Victoria connaît David. Ryan annonce à Lourdes que Clovis a trouvé la ville. Clovis révèle où se trouve Katia à Lourdes. Erika et Verena s'écrasent. Pendant le voyage avec Raoul et Alvaro, les étudiants se battent et Camille essaie de contenir la raquette. Victoria s'adresse à Younis pour le compte de l'entreprise d'Alvaro. Lourdes menace la ville, qui est malade. Bettine dit à Vincent que leur mariage est terminé. Magnus remarque une essaimose sur le bras de Bettine, qui dépeint Erika et Raoul. Se provoquent mutuellement. Magnus découvre que Bettine est la sœur de Jnilson. La ville quitte l'hôpital. Les trafiquants collectent les dettes de Jnilson de Bettine et les soucis de Megno. Amanda rompt avec Danilo. Magnus prend Bettine pour passer la nuit à la maison de Lourdes, qui reproche à son fils s'entretenir avec Victoria à propos de Thiago. Lourdes trouve Katia, qui la menace. Elle dit à Lourdes que Domenico est mort. Magnus et frère consolent Lourdes.
Victoria connaît James et est ravie. Lourdes croit que Domenico est vivant et Manu s'inquiète. Erika démissionne et Raoul est impressionné. Betty ne est sûre le Magnus qu'elle découvrira ce qui est arrivé à Jnilson. Danilo se dispute avec Thelma. Lydia souffre parce qu'elle ne peut pas s'entendre avec Raoul. Raoul décide de contrer la vis de l'ingénieur et de devenir un partenaire d'Alvaro. Thelma supposa Lourdes qui n'a pas parlé de sa maladie à Danilo. Thelma conseilla Lourdes de suivre la recherche de Domenico. Les sinus souffrent d'un accident. Erika et Raoul partent ensemble. Raoul a demandé le divorce et Lydia a une crise. Kiko bêta un Magnos. Magno avoue à Lourdes sa passion pour Bettine. Lourdes conseille à Magnus de s'éloigner de Bettine. Léla a un arrêt cardiaque et Brenda souffre. Lydia affronte Erika et Lourdes se révolte contre la femme. Lourdes avertit Raoul de Lydia. Elle tente de parler à Victoria, mais est empêchée par les gardes de sécurité. Brenda remercie Bettine d'avoir pris soin de Léla. Bettine dit à Megno que Miam veut son témoignage sur Jnilson. Erika parle à Raoul, qui se sent encore plus passionné. Lydia poursuit Raoul. Stella surprend Raoul, qui est gêné par la visite du commandant. Victory et James se comprennent. Il interroge le Magno et se méfie de ses réponses. Victory accepte d'embaucher des Lourdes. Victoria ramène James chez lui. Elle s'inquiète de Sandro. Victoria découvre qu'elle est enceinte. Lourdes dit que Victoria doit parler à David de sa grossesse. Le Magno soutient Bettine, qui a peur quand Vicente la cherche. Clovis conseille à Lourdes d'accepter le décès de Domenico. Thiago rencontre Natalia, Miranda et Carole. Victoria dit à Natalia et Miranda qu'elle est enceinte de David. Belisrio voit le Magno avec Bettine et reconnaît le garçon. Ryan, Magno, Erika et Camille prévoient de présenter Lourdes. David garantit la victoire qui veut s'occuper du bébé. Lourdes visite la tombe de Domenico. Et Thelma soutient son ami. Lourdes est ravie par l'attitude de ses enfants. Danilo se dispute avec Thelma et quitte le restaurant. Wesley interroge Magnus sur la disparition de Jnilson. Elle révèle à Lourdes que son fils est vivant. Magno raconte l'accident avec Jnilson et Wesley dit qu'il va enquêter sur l'affaire. Thelma dit à Victoria qu'elle ne vendra pas son restaurant. Lourdes annonce à ses enfants que Domenico est vivant. David soutient Victoria, qui craint de perdre à nouveau son bébé. Danilo assure à Thelma qu'il ne travaillera plus pour sa mère. Estelle presse Raoul, qui décaisse la fille. Lydia confirme à Estelle que Raoul est amoureux d'Erika. David raconte son histoire de vie pour Victoria. Raoul et Erika sont ensemble. Samuel gronde Marina. Tisla est à la recherche de Raoul. Vicente demande une avance à Thelma. Tucia tombe malade et finit par mourir dans les bras de Lourdes. Nuno embauche Danilo. Sandro est emmené dans la cellule, et Lourdes prétend prendre soin de lui.
Miranda et Natalia provoquent la victoire et affirment que la sœur est amoureuse de David. Lourdes dit à ses fils qu'il se battra pour le droit de Sandro d'aller à l'enterrement de Katia. Marconi est enthousiasmé par la possibilité pour Sandro de quitter la prison. Wesley enquête sur la disparition de Jewelson et croit que la police est impliquée dans la mort du garçon. Victory et David se disputent, mais finissent par s'embrasser. Lydia enregistre le baiser de Raoul et Erika et alerte Estelle. Erika peut contenir le scandale Estelle. Marconi organise une fusillade pour sauver Sandro. Sandro protège les Lourdes. Sandro est touché en protégeant Lourdes. Danilo explique à Thelma qu'il a besoin d'apprendre à avoir de l'autonomie. Vincent harcèle Betty Ine et Magnus lui fait face. Alvaro se rend au restaurant de Thelma et fait une proposition à Vicente. Victoria dit qu'elle aidera Lourdes Free Sandro. Camille et Erika craignent pour la sécurité de Lourdes. Lourdes se rend à Sandro à l'hôpital de la police et voit Marconi. Lourdes affronte Marconi, Alvaro avec Belisario et Vicente contre le restaurant de Thelma et Amanda enregistre. Amanda nie la demande de Thelma de convaincre Danilo de retourner au restaurant. Danilo quitte la maison. Le restaurant Thelma est interdit et la femme blâme Victoria. Vincent attaque la bétine. Thelma accuse Victoria quand Lourdes arrive.